J'ai rêvé d'une église qui était sans poussière et qui avait abandonné les formes du passé, les gestes d'autrefois. J'ai rêvé d'une église pour qui comptait encore l'avenir de Dieu, réalisable aujourd'hui dans la pâte humaine. J'ai rêvé d'une église qui criait l'injustice quand il fallait crier. J'ai rêvé d'une église qui savait tout comprendre, qui savait tout aimer et accueillir plutôt que juger. J'ai rêvé d'une église qui ne savait plus rien et puis qui attendait, comme on attend au chemin, qu'on lui réapprenne comment il fallait suivre Jésus. C'est à ces mots à peine adaptés de François Chagnot que je vous accueille pour ce culte de dimanche matin. Dans ce temps de Pentecôte, d'après Pentecôte, ou si on ne l'a pas encore fait, il est temps de rêver l'Église. J'aurais pu dire, j'ai rêvé d'une Église bien déconfinée. J'ai rêvé d'une Église où les rendez-vous ne soient pas sans cesse reportés. Et je le dis avec un sourire, puisque cette date, normalement, aurait pu marquer la reprise, un an après, d'une dynamique « l'Église invite », culte de rassemblement à Saint-Pierre. Mais vous êtes là, l'Église vous a invité, et quand bien même vous semblez peu dans cet immense édifice qui pourrait accueillir bien davantage, vous êtes là, chacune et chacun, accueillis dans le souffle de l'Esprit par Dieu lui-même. Soyez donc, d'où que vous veniez, que vous soyez familier de Saint-Pierre, ou que pour l'occasion vous veniez quand même d'ailleurs, soyez chacune et chacun les très bienvenus. C'est effectivement, après Pentecôte, le temps, dans le rythme liturgique où s'ouvre la réflexion sur comment vivre en Église. Et les textes du jour qui nous ont été soufflés au creux de l'oreille par le lectionnaire nous permettent d'aborder cette réflexion avec intérêt, je l'espère, au fil de l'Évangile de Matthieu, en l'occurrence, et puis de la lettre aux Romains. Mais nous ouvrons aussi ce culte par la prière et la louange, et nous le faisons avec le psaume 33, quelques extraits qui vont maintenant nous être lus par Colette. Nous lisons le psaume 33, 1 à 5 et 18 à 22. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen.
Ta voix nous a appelés, Seigneur, ta parole nous a créés. Tu nous as rassemblés les uns les unes auprès des autres, hommes et femmes, sans plus. Mais nous pouvons être hommes et femmes nouveaux, dans l'esprit, au cœur de ce vaste monde agité. Tu as mis ton nom sur notre bouche, ton œuvre dans nos mains. Devant toi, nous nous appelons ton Église, peuple en marche. Nous avons une histoire, un long passé, fait de ténèbres et de lumière. Nous te prions, Seigneur, ouvre devant nous cet espace nouveau auquel nous aspirons. Laisse-nous nous déconfiner en toi. Que ton appel nous fasse sortir de toutes ces choses si provisoires auxquelles nous semblons parfois tellement attachés. Toutes ces certitudes qui nous gardent en sécurité, mais trop souvent captifs. Rends-nous, s'il est possible, un peu moins sûrs de tout, libres. Autrement, pour comprendre, entendre à nouveau frais ton évangile et suivre ton Christ. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin et nous aspirons, au lendemain de Pentecôte, à laisser le souffle respirer en nous. Qu'il nous apprenne à recevoir, visiter, relire ce qui fait la richesse et la beauté de notre héritage, de nos engagements, de nos présences. Donne-nous de penser et d'agir à partir de ton avenir, par la force de ta promesse. Et d'oser croire encore que d'une manière ou d'une autre, tu renouvelleras toute chose. Ensemble, nous te prions et continuons d'espérer que tu réformes ton Église, tes Églises. Donne-lui l'élan et le courage d'agir selon ta parole et de suivre ton cœur. Oh, ce n'est pas tous les jours simple, mais c'est pour cela que nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous nous mettons dans la trace de ton esprit, attentifs à ce qu'il laisse bruisser en nous. Oui, Seigneur, ta voix nous a appelés. Chacun, chacune. Et ton esprit, non pas un jour à Pentecôte, parce que ce serait commode, mais tous les jours, continue de nous saisir. Amen. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous demeurons recueillis
Oui, Seigneur, nous voulons ce matin nous ouvrir au travail et à la force de l'Esprit Saint. Et même si cela peut sembler un peu abstrait, nous voulons, nous essayons de nous laisser saisir par lui, guider, accompagner. C'est que, Seigneur, et tu l'as promis, tu souffles ton esprit sur ce monde, donnant à tout être humain la possibilité d'une attention véritable à autrui. Selon ta promesse, oui, Seigneur, tu souffles ton esprit sur l'Église, où il est ferment d'unité, où il inspire les gestes et les paroles de communion. Selon ta promesse, oui, Seigneur, tu envoies, tu souffles ton esprit sur chacun, chacune d'entre nous. Eh bien, qu'il nous rende audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Qu'il ouvre notre cœur et notre intelligence à l'évangile de ce matin. Amen. Et c'est Jean-Claude Sima qui va maintenant partager les lectures bibliques de ce jour. Nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils l'adorèrent, eux qui avaient hésité à croire. Et Jésus, s'approchant, leur parla ainsi. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous lisons l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les protestants ont-ils le sens de l'Église ? Cette question impertinente est aussi le titre d'un ouvrage paru tout récemment chez Olivetan, à Lyon. Les protestants ont-ils le sens de l'Église ?
Hier encore, voyant l'ouvrage sur mon bureau, une collègue catholique me disait avec un sourire, bon, on sait bien que non. Mais l'attachement presque viscéral aux formes et aux structures que marque volontiers le protestantisme genevois quand il s'agit de revisiter les codes de la gouvernance, cette sorte de valeur où l'on se réfugie chaque fois qu'il est question de penser ou de vivre l'Église autrement, cela me fait douter de cette réponse spontanée de ma collègue. Et cela me porte à croire que les protestants ont un certain sens de l'Église. Un sens bien à eux. Voir que les protestants ont certainement plusieurs sens de l'Église et qu'ils adorent, qu'ils sont particulièrement enclins à mettre un S à Église, avec une audace grammaticale qui allie le singulier d'un mot avec le pluriel de ses manifestations. Mais à l'heure de toute inclusivité, il faut tout oser. Enfin, quand je parle des protestants, ce n'est pas comme si je ne parlais pas de nous, n'est-ce pas? Du coup, l'impertinence évocatrice a une chance de devenir une pertinence particulière. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous avons le sens de l'Église. À quoi on ajoute immédiatement, mais pas comme. Et là, il faut bien reconnaître que l'éventail est assez large. Oui, nous avons le sens de l'Église, mais pas comme les catholiques avec un pape et des évêques. Ah, mais les luthériens et les anglicans et les épiscopaliens ont eux aussi des évêques et sont pourtant protestants. Bon. Alors, pas comme les évangéliques, qui sont manifestement plus dégourdis que nous pour la vie ecclésiale, mais peut-être moins sérieux sur l'étude des textes ou la célébration des sacrements. Protestants néanmoins. Bon, bon, bon. Alors, pas comme les Uriquois qui sont trop zwingliens dans leur pratique ecclésiale ou comme les Vaudois encore trop bernois dans leur manière de diriger l'Église. Protestants toujours. Alors ? Alors, pas comme la paroisse de... Stop, c'est bon, on a compris. Éternelle pluralité de l'Église et de l'expérience, comme autant de facettes du Christ dont la lumière se reflète sur nous. Nous avons le sens de l'Église. Oh, et puis nous aimons bien la critiquer aussi. Mais il arrive que nos postures nous fatiguent avant qu'elles ne lassent alentour. Et puis on aime l'Église quand elle nous fiche la paix, et plus encore quand surtout elle ne nous dit pas que croire ni que voter. Mais l'Église n'est pas l'accumulation improbable de nos individualités. Elle n'est pas sans horizon de sens. Elle n'est pas sans préférence. Tout comme elle ne saurait se contenter d'être une simple débitrice de vérité éternelle ou un système indispensable au salut. L'Église est toujours seconde, jamais secondaire. Toujours là, entêtante, mais promise à n'être plus ou autrement à l'horizon de Dieu qui vient. Dans l'ouvrage que j'évoquais,
en ouverture de prédication, les protestants ont-ils le sens de l'Église ? Le philosophe Olivier Abel a ces mots dans un article intitulé « Le théâtre ecclésial ». Encore heureux qu'il n'ait pas écrit « Le cirque ecclésial ». Il écrit ceci « L'institution de l'Église a pour fonction de canaliser l'énergie de la foi et d'instituer la pluralité des témoignages. » Et un peu avant, il écrit à propos des types d'églises que nous connaissons, permettez-moi de le citer plutôt que de le paraphraser. Il écrit « La communauté ecclésiale est une tête chercheuse des formes humaines de communauté. Elle est leur institution imaginante. Et cette institution imaginante a pris des formes très diverses. La tradition catholique romaine a insisté sur la dimension verticale, hiérarchique, épiscopale de l'institution. La tradition congrégationaliste a insisté sur la dimension horizontale, égalitaire, libérale de l'institution. On peut toujours rompre le pacte et partir ailleurs, ou ne plus venir, confinement ou pas. Tous les mixtes entre deux, plus synodaux ou plus presbytériens, ont aussi été explorés et expérimentés. Chacune de ces traditions a ses avantages pour régler certains types de conflits et ses inconvénients à d'autres égards. Aucune n'est parfaite. Et nous n'avons pas fini de réformer, recommencer, expérimenter nos institutions. Mais, ajoute-t-il un peu plus loin, chacune de ces formes de communauté ecclésiale, chacune propose son équation du rapport entre l'un et le multiple. Certaines donnent la prééminence à la figure de l'unité, au risque de la diviniser au point d'écraser le multiple. D'autres, à l'inverse, voient le multiple comme une bénédiction, mais sans se soucier de le rapporter à ce qui est commun, comme diverses lectures de la même gratitude. Alors, entre l'un et le multiple, allons un moment en chemin d'évangile ce matin pour nous offrir quelques balises ecclésiales au lendemain de Pentecôte. Et le faire dans un Nouveau Testament dont les exégètes nous disent maintenant qu'en fait, ils ne s'intéressent pas particulièrement à l'Église, du moins ni comme nous, ni autant que nous aujourd'hui, mais qu'il s'intéresse bien davantage à la transmission universelle de l'Évangile comme bonne nouvelle, et une bonne nouvelle de vie profonde et relevante à partager avec l'ensemble de l'humanité. Le texte du jour l'illustre parfaitement. Il clôt l'Évangile selon Matthieu. Ce sont les derniers mots. Allez de toutes les nations, faites, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ce fameux envoi, cette sorte d'injonction que fait Jésus ressuscité à ses disciples. Allez, de toutes les nations faites des disciples. J'aimerais relever deux choses, une brève, une un peu plus longue. On hésite parfois pour savoir qui aurait été le fondateur du christianisme. Par exemple, s'agit-il de Jésus ou de Paul ? Le débat est parfois encore vif, mais plus j'avance, plus je me dis que la question est mal posée et répond éventuellement
trop à nos attentes d'une origine claire et déterminée des choses, plutôt qu'à l'histoire du christianisme émergent. Parce que ce christianisme est né dans et de la diversité des disciples, qui sont au moins une douzaine, désignés, choisis, envoyés, missionnés par Jésus de Nazareth. Celui-ci n'a pas fondé le christianisme, pas davantage l'Église, mais il en est clairement au fondement. Pierre, Paul et bien d'autres, de leur sensibilité ou non, parce que cette mission a été extraordinairement diversifiée, ont comme des bambous par rhizome trouvé des terrains de croissance dans le bassin méditerranéen, et plutôt en direction du nord de la Palestine d'alors et de l'ouest que du sud. Et si l'on doit parler d'église émergente face ou suite à cet envoi du Christ, alors l'église tient en une rencontre davantage qu'en un plan, une structure ou une organisation déterminée. Sur la parole du Christ, elle est un ministère pionnier déjà. Elle va pour défricher le terrain. Donc d'abord cette diversité première. Et puis secondement, j'ai longtemps été chiffonné, bien plus dérangé, par cette adresse un peu prétentieuse de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. À l'heure de la cancel culture, ça a un petit côté prosélyte, précolonial, dont on a bien vu à quoi plus tard il a pu servir. N'est-ce pas l'un des textes phares qui ont accompagné les mouvements de mission, 19e, 20e siècle, pour le meilleur, mais aussi pour le pire? Que n'a-t-on fait à ce moment ou avant, au nom du Christ? Que n'a-t-on commis au nom de l'amour et du bien? Tant et si bien que, au lieu de porter une vision positive, ce texte nous donne un frisson dans le dos quand on pense à l'irrespect qui a parfois, trop souvent, accompagné les compagnes missionnaires, conduites pour convertir les païens à la gloire et à la vérité de l'Évangile. Or, je ne pense pas que cette lecture-là soit une fatalité, autrement dit qu'elle soit la seule possible. Même s'il faut lucidement considérer qu'elle a existé, mais aussi que les mouvements de mission ont pu avoir un impact extraordinairement positif, au point que nos scrupules occidentaux ne rejoignent pas toujours la reconnaissance des populations concernées aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre? Comment recevoir ce texte plus sereinement? Eh bien, le secours nous viendra du théologien balois Karl Barth, parce qu'à propos de cette expression « faire des disciples », qui semble une action très volontaire, peut-être contraignante, il écrit ceci aussi bref que fulgurant, faites d'eux ce que vous êtes vous-même. Faites d'eux ce que vous êtes vous-même. Et c'est tellement évident que ça en devient sereinement acceptable. Autant j'ai lu longtemps ce texte avec soupçon et scrupule, voilà que, du coup,
J'y lis non plus une obligation, non plus une contrainte, une imposition, mais une rencontre, un choix, une liberté à conquérir et à explorer, et même l'espace d'un questionnement, puisque nous avons cette brève mais admirable mention dans le texte, juste avant, qu'à la vue des disciples, qu'à la vue de Jésus, pardon, les disciples se prosternèrent. Alors, la traduction seconde que vous avez lue indiquait parmi ceux, et certains avaient douté. La traduction manuscrite n'est pas forcément d'accord avec ce choix de la traduction seconde, qui préfère aujourd'hui privilégier une autre traduction, qui dit « Et certains eurent des doutes ». Certains eurent des doutes. C'est la fin de l'Évangile. Ils ont connu Jésus et certains eurent des doutes. J'y reviendrai. Mais comme disciple, fondamentalement, je vis de la liberté, je ne suis attaché à aucun dogme. Être disciple, c'est aller au-devant de cette liberté-là, de cette exploration-là, et c'est bien la trace de l'Évangile dans nos vies, celle que rappelle l'apôtre Paul avec force. « Vous n'avez pas reçu, écrit-il, aux chrétiennes et aux chrétiens de Rome, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait, un esprit d'adoption, un esprit qui fait de vous des filles et des fils. » Alors oui, au lendemain de Pentecôte, l'Église doit être comprise et surtout vécue comme un lieu de liberté, comme un lieu de libération partagée et pas comme une entreprise de régulation sociale. Et même quand un pasteur prêche en chair. Chez Matthieu, faire des disciples, cela signifie baptiser, oui, mais garder l'enseignement du Maître Jésus. Le disciple, c'est celui ou celle qui écoute Jésus et qui tire profit de son enseignement. Et c'est ainsi qu'on fait Église ensemble. Écouter la parole et la mettre en pratique. On sait bien, cela dit, que lire la parole, c'est reconnaître la pluralité des lectures. Après tout, n'y a-t-il pas plusieurs évangiles ? Et que l'Église est là pour permettre le débat et tout de même réguler la diversité des points de vue. Et cela dès l'origine. Et on le perçoit de mieux en mieux depuis quelques décennies, après avoir laissé de côté les imaginaires simplistes sur le christianisme des origines, car je l'évoquais, il fut d'un tel foisonnement troublant, et pas simplement le fait de deux ou trois, voire quatre branches, mais de bien plus. Et c'est pourquoi le fameux pluriel accordé à l'habituel singulier Église est tellement important. Être disciple, c'est se mettre à l'écoute du Maître. En juin 2008, ici même, dans ce temple de Saint-Pierre, il m'a été de vivre avec d'autres. C'était rempli. C'était vraiment rempli. Un événement assez singulier. C'est tenu ici, pour le jubilé de l'Université de Genève, le Dies Academicus, pour les 450 ans. Et c'est cette année-là que Mgr Desmond Tutu a reçu de la faculté de théologie un doctorat honoris causa. Et voyez-vous, autant j'endosse avec lucidité, parfois découragement, tout ce que l'héritage chrétien peut avoir de pesant ou d'ambigu, et voire d'absurde, voire même d'assassin parfois, et je le dis
en tant qu'encore un peu comme modérateur de la compagnie, au point d'en avoir, non pas de ma modérature, mais de cette situation, honte, parce que le christianisme n'a pas été toujours reluisant, ni lumineux, autant j'ai ressenti là, dans la puissance du témoignage partagé ce jour-là, j'ai ressenti une immense fierté d'être chrétien et de me sentir en profonde communion de pensée avec cet homme-là. En fait, bien plus lors du dies que lors d'un culte. Allez savoir. Lui aussi, Desmond Tutu, est disciple du Christ. Lui aussi se met à l'écoute de Jésus. Lui aussi est baptisé et baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui aussi a traversé les eaux du baptême et s'est relevé personnellement, ecclésialement, socialement, fort de la puissance du Christ au secret de sa vie, comme il est donné en somme à chacune et chacun de nous. Et pour quel fruit ? Lui aussi reconnaît que Jésus est son maître. Enfin, quand je dis « lui aussi », je dois avouer que parfois ce terme de maître me dérange. Je me sens trop moderne, trop jaloux de ma liberté pour me subordonner à qui que ce soit. Je veux rester un esprit libre. Mais là aussi, il faut lire autrement. Un maître, un rabbi, dans le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un maître d'école intransigeant ? Est-ce que c'est un savant sûr de son savoir ? Certes non. C'est celui qui fait avancer ses élèves ou ses disciples, comme dans les meilleures traditions philosophiques. C'est celui qui accueille les questions, offre des réponses et surtout suscite d'autres questions, et dont les affirmations ouvrent à d'autres interrogations. J'évoquais tout à l'heure cette part du doute qui saisit les disciples. Et franchement, ça fait partie des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout dans la Bible. Tellement les textes bibliques semblent empreints de conviction. Mais voilà que les disciples osent douter. C'est fort, tout de même. Très étonnant pour le moins. Et nous devrions croire sans rechigner, sans questionner, sans lire ni relire, sans reprendre, réentendre, au seul prétexte que la parole serait correctement prêchée du haut de cette chaire et que les sacrements seraient correctement administré à l'occasion, en tout cas quand une pandémie ne vient pas tout compliquer, parce que c'est la définition de base de ce qu'est l'Église pour les calvinistes. La parole correctement prêchée, les sacrements correctement administrés. Mais arrivé à la fin de l'Évangile avec les disciples, vous voilà pris à douter devant le Christ ? Pas grave. Reprenez la lecture au début. Non pas pour vous bourrer le crâne jusqu'à ce que ça entre, mais pour laisser en soi, à la parole de Jésus, l'espace plus large d'un écho, l'espace d'une résonance existentielle, l'espace d'une certaine exigence aussi, à l'écoute des paroles du Rabbi Jésus. Ainsi, l'Église, c'est bien le lieu de la parole partagée et reprise, discutée, doutée, réaccueillie. C'est le lieu où l'on peut prendre le temps d'un mûrissement,
d'un processus, généralement balisé, où l'on n'est pas abandonné à soi-même pour cela, mais bien en communauté, en attention réciproque, en regard croisé, en hospitalité, en expérience héritée. Si l'on veut bien accepter que son avis et sa lecture ne soient pas les seuls possibles. Baptiser et être baptisé, c'est accepter le temps de la foi, reconnaître que la spiritualité ne tombe pas du ciel, mais se ferait un chemin au corps de l'humain. En Église, c'est transmettre et vivre en confiance quelque chose de ce chemin-là. Et dire que ce chemin est valable et beau, qui s'inscrit au fil de nos vies, même lorsqu'elles sont inquiètes ou cabossées ou encore un peu confinées. La foi de tout disciple est faite de grande clairvoyance et de profonds questionnements. Dans le souffle de l'esprit, c'est un appel à respirer la liberté ensemble. L'Église sait apprendre à respirer la liberté ensemble. J'aimerais terminer ce vagabondage ecclésial du matin avec un texte d'André Dumas, précisément une prière. André Dumas qui fut une grande figure protestante française du XXe siècle. Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas, ou pas souvent. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette Église qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande aussi pour notre petitesse. Une Église mal aimée et du coup mal aimante. Une Église dont la fidélité devient répétitive, l'infidélité habituelle. Une Église qui se paie de maux et qui contribue à enténébrer la vie des bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors, mon Dieu, je te prie, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de la serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape la brebis qui boite et qui s'attarde, comme sans cesse la raccommodeuse rattrape la maille qui file et qui déchire. Ton Fils, ton Christ, est la tête d'un corps aux membres disjoints. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens, et non pas seulement aux individus,
qui se préfèrent chacun eux-mêmes. Car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens et pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton projet total. Alors oui, Seigneur, j'hésite, cette Église, à l'appeler ma mère, car elle ne m'a pas engendrée, je l'ai rencontrée. J'hésite à l'appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par le sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le meilleur et pour le pire. Non, pour le pire et pour le meilleur. C'est ma nouvelle famille, dont tu es l'initiateur, ton Fils le libérateur, ton Esprit le rassembleur. Amen. Nous allons maintenant entendre, lu par Valérie, quelques, appelons ça, des éclats de profession de foi glanés autour de l'Esprit-Saint. Parce que quand même, si on ne profite pas de la période pour essayer de dire quelque chose de la foi de l'Église, de chacune et de chacun sur l'Esprit-Saint, c'est dommage. Valérie. Je crois en l'Esprit-Saint qui nous engage dans l'amour et le service du prochain et qui rend présent le Jésus du passé comme le Christ d'aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit nous rassemble et nous permet de communiquer les uns avec les autres
et de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout être humain de bonne volonté. Je crois en l'Esprit Saint malgré les apparences. Je crois qu'il conduit l'Église malgré la mort. Je crois à la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, je crois que le royaume de Dieu est offert à tous. Je crois en l'Esprit de Dieu, insaisissable, surprenant, comme le feu, le vent et l'eau, qui germe au plus secret de l'homme et de la femme, et qui surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère et dans les tempêtes, qui soulève les groupes pour clamer la justice. Il est sève d'amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie débordante qui nous rassemble et créateur de liberté. Je crois en l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que la vie, même vaincue provisoirement, est plus forte que la mort et promise à la résurrection et à la force de relèvement de Dieu. J'ose croire au rêve même de Dieu, en ciel nouveau, une terre nouvelle. Liliane me rejoint, avec qui nous allons partager la prière d'intercession. Seigneur, ensemble, nous sommes les serviteurs et les servantes d'une parole qui ne nous appartient pas. Malgré les efforts que nous faisons pour la partager, et la rendre accessible à chacune et chacun. Et en Église, devant toi, dans l'amitié du Christ, dans le souffle de l'Esprit Saint, nous apprenons à témoigner de cette parole non seulement par nos mots, mais également par nos gestes, nos engagements ici ou là, au creux du quotidien. Mais nous avons besoin de toi pour donner de l'épaisseur à tout cela. Apprends-nous, Seigneur, à discerner l'important de l'accessoire, le superflu du nécessaire, les questions importantes des priorités secondaires, pour goûter tout simplement la saveur de ta bonne nouvelle. Apprends-nous, Seigneur, à vivre nos engagements, qu'ils soient personnels ou professionnels, en Église
ou hors Église, non comme une obligation, mais comme l'expression de ton amour sur nos vies. Dans les temps compliqués que nous traversons, apprends-nous à reconnaître ce qui est, ni plus ni moins, et à avancer dans la sérénité possible en prenant un peu de recul, pour mesurer que ce que nous vivons ne doit pas éloigner notre regard d'autres réalités, autrement difficiles, d'autres drames, autrement douloureux, comme la tragédie d'exil qui affecte ces jours la région de Goma et des centaines de milliers de gens qui fuient le danger des éruptions. Ensemble, Seigneur, nous te remettons ce qui nous pèse, ce qui nous dépasse, là où il nous semble perdre pied, ce qui dépasse notre seule capacité d'agir. Mais nous te remettons aussi ce qui est à notre portée pour que tu inspires notre présence adéquate. Ensemble, Seigneur, nous te demandons l'Esprit, lien d'unité et d'amour, stimulateur de sens, pour reconnaître devant toi nos forces et nos limites, dans la confiance que tu viens renouveler nos vies. Et ensemble, toujours, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Sur le morceau d'orgue qui va être joué maintenant sera, selon l'habitude ici, je crois, recueilli l'offrande avec le staff incroyable que nous avons ce matin, cette belle équipe que je remercie de sa présence pour cela et pour les lectures, Colette, Liane, Valérie, Jean-Claude. Merci aussi à Marcello Giannini de nous accompagner avec l'orgue. Demain, on chante. On rase pas gratis, on chante gratis. Demain, enfin plutôt jeudi, allez, à l'office du milieu du jour, jeudi, dans la chapelle des Maccabées, à bonne distance encore, on chante. Ça va nous faire bizarre. Il était temps qu'on y arrive enfin. Vous savez, ça c'est la magie de la Confédération. Hein. Il y a des cantons où l'on chante et d'autres pas. Voilà. Alors, il faut savoir qui sont les cigales et les fourmis. Alors là, on a été plutôt fourmis, Genève. Ça nous change de réputation. C'est pas plus mal. Non, les choses changent un peu. Non seulement on chante, mais on chantera à plus. On chantera à 100. En tout cas ici, facile. C'est une bonne chose. Bon, vous me direz, c'est demain, mais réjouissons-nous. On a tout le dimanche pour se réjouir. C'est magnifique. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires, mais on s'emploie à les éclaircir dans la semaine qui vient. Voilà. Une période compliquée, disais-je, certes. Y a-t-il une autre annonce pour la paroisse ou la région? Je ne sais pas si ma collègue est là ou si quelqu'un du conseil a une adresse à faire, non? Sinon, il y a éventuellement des papillons à la sortie.
Non, il n'y a plus de papillons à la sortie. Enfin, monsieur le pasteur, vous devriez savoir. Non, mais j'en vois encore des papillons, c'est pour ça. Voilà. Alors nous allons entendre l'orgue et nous allons pouvoir donner notre offrande. Maintenant, je vous laisse agir. En guise de parole d'envoi, je vais poursuivre le texte lu au tout début de ce culte. J'ai rêvé d'une église pour qui Dieu n'était rien qu'inlassable quête et qui cherchait en terre à terre le visage du Christ. J'ai rêvé d'une église qui ne refusait rien hormis la haine et l'injustice, hormis le mépris et l'abus. J'ai rêvé d'une église qui n'était plus l'autorité, qui avait oublié comment serrer la main ou faire des révérences. J'ai rêvé de moi-même à la recherche de moi-même, découvrant Dieu dans une église peuplée d'hommes et de femmes, artisanes et artisans d'espérance. Et vous, de quelle église rêvez-vous donc? Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le rêve de Dieu pour chacune et chacun de nous trouve au souffle de l'Esprit à s'ancrer dans notre expérience. Que la paix du Seigneur garde nos cœurs, nos pensées, nos intelligences dans le Christ Jésus. Que le Dieu d'amour plein de tendresse nous bénisse, nous et les nôtres. Et que nous sachions que
que nous osions croire et parfois même douter au souffle de l'Esprit, dans la confiance que tous les jours et jusqu'à la fin des temps, le Christ nous accompagne. Amen.